Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Une petite camarade dans la cour de l'école m'a appelée fille de Bosch. Alors donc j'ai interrogé la mère, elle m'a entraînée dans la cour pour me dire « Mais ton père, c'est un soldat allemand ». À partir de là, je me suis sentie à l'écart. Je reçois un coup de fil, elle me dit « Voilà, vous avez une sœur ». Je dis « Oui, j'ai une sœur, oui, j'ai Marie-Cécile, oui ». Elle me dit « Mais vous en avez une autre ». Donc là, je prends le taureau par les cornes, il faut que j'aille voir ma mère. Et je lui dis « Est-ce qu'il y en a d'autres ?»« Ah, vous n'avez qu'à chercher ». Je dis « Si c'est comme ça, on va chercher ». Nos invités sont la preuve qu'un espoir est toujours permis. Chacun à leur manière, ils ont surmonté les obstacles de la vie. Comment? C'est justement ce qu'ils ont décidé de partager avec nous. Ma famille allemande et ma famille française, c'est une seule famille réunie. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Les femmes que je vais rencontrer aujourd'hui ont grandi au cœur du mensonge, un secret de famille qui les a séparées de leurs frères et sœurs dont elles ignoraient l'existence et qu'elles ont rencontré plus tard, à l'âge adulte, des parcours hors du commun qui posent beaucoup de questions. Comment se construire quand on a grandi avec un secret de famille et quel lien peut-on tisser avec une famille que l'on ne connaît pas? Des questions auxquelles nous allons répondre ensemble, je vous les présente dans un instant avec plaisir. Bonjour. Bonjour Frédéric. Frédéric, enchanté. Oui, moi aussi, oui. Enchanté, je vous laisse poser votre manteau. D'accord. Je suis Franz d'Allemagne. France, enchanté. Bonjour. France d'Allemagne. Enchanté. Bonjour Frédéric, Annie, enchanté. Enchanté. Et donc vous bonjour. Êtes marié. Et donc je suis non. Marié. Vous êtes marié, c'est ça? Oui, gagné. La psychologue, bonjour. Non. Merci d'être là. Je vous laisse, Laurence, je vous laisse mettre vos affaires. Alors, merci d'être là. Alors, vous ne vous connaissiez pas avant de venir ici. Et pourtant, vous avez vécu quelque chose d'incroyable, parce que finalement, il y a des similitudes dans vos histoires. Vous avez tous, dans cette histoire, vécu dans le secret, dans le mensonge. Et il y a eu des coups de théâtre dans votre existence, puisque vous avez découvert des familles dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Mmh. Josiane, vous êtes née pendant la guerre et vous avez grandi sans papa. Et quand vous posez des questions, vous ne donnez pas de réponse. On va raconter dans le détail tout à l'heure. Mais vous avez découvert que votre papa était allemand. Vous étiez une fille de Bosch, comme on disait à l'époque. Et on va voir quelles conséquences ça avait dans votre vie, quelles relations vous aviez avec votre mère. Et puis surtout, comment vous allez découvrir dans une petite boîte en métal. Et là, j'ai l'impression d'être dans un film hollywoodien. Une boîte à chaussures. Dans une boîte à chaussures. Oui, oui, oui. Et je vois très, très bien la boîte avec une lettre de quelqu'un qui pense à vous et qui vit en Allemagne. Oui, oui. Et on va voir comment vous avez découvert que vous aviez une famille, vous aviez deux frères en Allemagne. Franz est là. Franz vient d'Allemagne pour parler de cette histoire. Je suis désolé, je ne parle pas allemand, je connais qu'une seule phrase, vous allez voir qu'elle ne sert absolument à rien. Ich bin sehr froh dazu sein. Ce qui veut dire que je suis content d'être ici. J'espère que vous aussi. Merci. On verra effectivement comment vous avez réagi quand vous avez découvert que vous aviez une sœur en France. Alors, je veux savoir, Josiane, pourquoi c'est important pour vous de raconter cette histoire? Ce que j'ai à transmettre, c'est déjà de l'espoir pour ceux qui ont vécu la même chose, parce qu'on est environ 200 000 quand même. 200 000 en France. Oui, oui, oui. Et le traumatisme pour beaucoup est toujours présent. Enfin, était toujours présent il y a une dizaine d'années quand on a créé notre association. Et donc, je voudrais apporter justement une note d'espoir à ces personnes. Ils sont toujours dans l'attente de leur identité. En parallèle, si j'ose dire, une histoire folle aussi. Annick, vous avez grandi avec cette impression que vous étiez fille unique dans un premier temps. J'avais une sœur aînée, mais on n'avait jamais été élevés ensemble, donc on peut se dire que j'étais presque une fille unique. Sauf qu'à un moment donné de votre vie, on va voir comment ça s'est passé, là aussi c'est très romanesque, vous avez découvert que vous aviez une grande fratrie. Voilà, que j'avais toujours rêvé, mais que... Vous en aviez rêvé, elle était... Ah oui, j'aurais toujours voulu être élevée avec des frères et sœurs, quoi. Et aujourd'hui, vous en avez combien? On en a 6. Enfin, avec ma sœur aînée, on en a 6. Ce qui n'est pas rien, on va voir comment c'est pas rien. Dans votre vie. Et alors, vous, Marie, c'est assez incroyable dans votre vie, parce qu'il n'y avait pas trop de secrets. Vous saviez que vous aviez été une enfant adoptée, mais je crois que c'était il n'y a pas si longtemps.
Vous avez reçu un coup de fil et là, vous découvrez que vous avez mis 50 ans. Donc oui, j'ai, en fait, j'avais laissé un message sur un site qui s'appelle La Bouteille à la Mer. Parce que l'adoption ne m'a jamais posé de problème. Mais en vieillissant, je me suis dit, bon, ce serait peut-être bien que la femme qui m'a mise au monde sache qu'elle a fait le bon choix, que j'ai eu une belle vie et je la remerciais tout simplement. Donc là, vous l'envoyez en espérant que cette femme vous a donné naissance. Voilà, j'ai dit, si elle cherche, de toute façon, elle trouvera. Aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, on trouve. J'ai mis mon prénom, ma date de naissance. Et un jour, j'ai eu, en mai 2014, j'ai eu un coup de fil, un message tout d'abord, de Philippe. Et puis après, il fallait prendre la décision. Est-ce que oui, non, on contacte. Et puis après, c'est l'aventure. Ça, c'est nouvelle vie, en fait. Mais je crois que vous avez beaucoup ri, parce que c'était presque un gag. Oui, vraiment, ça c'est... On va rentrer dans le détail tout à l'heure. C'est assez incroyable. La vie est plus forte que la fiction. Annie, je ne vous ai pas demandé pourquoi c'était important de raconter votre histoire. Moi, je trouve que c'est une belle chose. En plus, on s'entend super bien. Donc, c'est... Et puis je trouve que ça donne l'espoir aussi peut-être à certaines personnes qui ont peut-être peur de contacter leurs frères et sœurs. Alors je ne dis pas que ça se passera aussi bien qu'avec nous, il ne faut pas non plus tout y aligner, mais bon, c'est une belle chose. On finit notre vie avec un truc positif, quoi. C'est bien. Merci en tout cas de partager ça. Florence, vous êtes psychologue et donc que vous inspirent ces histoires? Parce qu'il y a plusieurs aspects évidemment. Il y a grandir d'abord dans le secret et puis ensuite découvrir... qu'on a une famille, alors c'est un pan d'une vie qui apparaît, et puis créer un lien particulier. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, finalement? Alors, à la fois, il y a des histoires qui sont similaires, et en même temps, on voit qu'elles sont vécues complètement différemment en fonction du secret, de ce que vous en savez, et de ce que vous en acceptez aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment des trajectoires très différentes. Bon, on va parler de tout ça dans un instant, en tout cas, merci d'être là. Alors, on va d'abord s'intéresser à Josiane, pour essayer de comprendre votre enfance. Donc, vous allez naître en temps de guerre, le 24 décembre, en 1942, dans un petit village de la Somme, et vous y passez les premières années de votre vie. Quel souvenir de cette petite enfance? Déjà, j'avais conscience de la différence, parce que mes autres camarades avaient un père, et moi, j'en avais pas. Moi, je vivais avec ma mère et ma grand-mère, et c'est quand une petite camarade, dans la cour de l'école, m'a appelée fille de boche. Et j'avais 7 ans et... Est-ce que vous comprenez ce qu'elle veut dire ou pas du tout? Mais pas du tout, à 7 ans, vous vous rendez compte? Alors donc j'ai interrogé ma mère, je lui ai dit mais on m'a appelée fille de boche, pourquoi? Et c'est ma grand-mère qui m'a répondu. Elle m'a entraînée dans la cour pour me dire, eh bien, ton père c'est un soldat allemand, il est parti sur le front russe avant ta naissance. Et surtout, t'en parles pas devant ta mère. À partir de là... Je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un secret qu'il fallait cacher, quoi. Enfin bon. Vous dites quoi dans votre tête quand votre grand-mère vous dit ça? À 7 ans, moi, je ne savais pas. J'avais pas de notion sur la guerre, sur ce qui s'était passé. Pourquoi on m'en voulait d'être la fille d'un Allemand? Je ne savais pas. Mais à partir de là, quand même, je me suis sentie. Je me suis sentie à l'écart, je me suis sentie rejetée parce que il y avait quelque chose qui n'était pas, qui était différent. Voilà, c'est difficile. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a votre grand-mère qui dit n'en parle pas à ta mère. Hein? Donc là, oui, bien sûr. On vous informe que cette information est un secret. Hein? Donc déjà, on vous demande de vivre avec un secret. Oui, voilà, exactement. Et puis il y a le rejet à l'école et ça ressemble à une insulte finalement. Oui. Mais bon, la petite camarade qui m'a appelée fille de boche, elle ne savait pas non plus ce que ça voulait dire. Alors, c'est des parents, certainement, elle a dû entendre ça des parents. Et parce que dans le village, les gens savaient? Naturellement, puisque mes parents ont vécu leur histoire dans le village, justement, où j'allais à l'école. Alors, vous pensez que tout le monde était au courant, hein? Surtout qu'ils se sont fréquentés quand même plus d'un an, hein? Donc, ça... C'était pas une aventure passagère, quoi. Et votre mère, on n'a pas parlé d'elle, quel type de relation vous avez avec elle? J'en avais pas, finalement. Ma mère, c'était une femme très, très digne, une femme de devoir. Et bon, elle n'avait pas d'amis, elle ne sortait pratiquement pas. Et,
Et donc, j'avais pas... c'est avec ma grand-mère que j'allais voir mes tantes à Paris, que j'allais me promener. Que... mais jamais, jamais ma mère n'est sortie avec moi. Donc, pas de père, une maman qui n'est pas démonstratrice en termes d'affection, et un secret. Je me retourne vers Florence, qui est psychologue. Quand un enfant de 7 ans entend une information sur sa vie passée et qu'on lui dit qu'il ne faut pas en parler, ça provoque quoi dans le cerveau d'un enfant ? C'est-à-dire qu'il y a déjà un secret et en plus vous portez le secret. Donc pour vous, c'est comme si vous récupériez toute la charge affective de presque vous emprisonner vous-même. Je sens quelque chose à l'intérieur. Vous dites j'ai 7 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire, fille de boche. Mais dans votre corps, vous sentez quand même qu'il y a quelque chose. Vous dites je me sens différente. Avec quelque chose, mais oui, quelque il y a comme quelque chose qui gêne. Absolument. Mais quand oui, on est enfant, on n'a pas les mots. Tout à fait. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient mettre un mot dessus, fille de boche. Et là, dans votre corps, vous dites bah, maman, qu'est-ce que ça veut dire ? Mamie, explique-moi. Et elle me dit mais en plus de ce que tu ressens, il ne faut même pas le ressentir, il ne faut même pas en parler. Du coup, c'est ça qui est le plus grand secret parce qu'on le fait vivre à l'intérieur de nous. Plus que finalement... Alors, je souffrais énormément de l'absence du père. Ça. Et en plus, je ressentais l'animosité de la part des enseignants aussi. Parce que je pense que l'enseignant que j'ai eu avait été dans la résistance. Donc, il était très agressif envers moi. Et sa femme aussi, d'ailleurs. Mmh. Mais ce qui est fou, parce que de chaque point de vue, on arrive à expliquer chaque réaction, parce que c'est la petite histoire dans la grande histoire. Ouais. Mais du point de vue d'une enfant qui n'a rien demandé et qui est née et qui se retrouve dans cette situation folle, effectivement, ça fait beaucoup de choses à subir, en fait. Oui, la sensation de subir. Alors, on va voir tout à l'heure comment une lettre dans une boîte à chaussures va changer totalement votre vision de la situation. Alors, Annie, dans votre cas... vous naissez après la guerre. Oui, bien. Dans quel genre de famille vous allez grandir ? Quelle va être la particularité de votre enfance ? Bah moi, donc pareil, je suis née de père inconnu, donc avec ma mère qui m'a laissée en nourrice pratiquement, disons à 8-10 jours, j'étais déjà en nourrice. Elle venait me voir de temps en temps et donc je suis restée en nourrice jusqu'à l'âge de 6 ans. Et c'était des parents nourriciers qui, eux, gardaient les enfants de mères célibataires, ce qu'on appelait les filles-mères à l'époque. Donc on se retrouvait tout un groupe de gamins où on savait qu'on n'avait pas de papa et que, bon, donc, si vous voulez, j'ai pas été malheureuse, hein. J'ai vécu des moments vraiment très agréables dans cette famille et avec une mère, bon, qui n'était pas forcément présente, qui était très froide, qui n'était pas du tout maternelle non plus. Qui a priori n'en avait rien à faire d'avoir un enfant ou... puisque c'est pareil pour ma sœur aînée, elle ne s'en est pas occupée non plus. Donc là, vous saviez que vous aviez une sœur aînée ? Bah, je savais que j'avais une sœur aînée, oui, je savais que j'étais la deuxième. Donc déjà, la deuxième d'une fille mère, à cette époque, c'était pas... on m'a traité de bâtard plus d'une fois. C'est dans la cour de récréation ? Oui, dans les cours de récré ou dans n'importe. Et chaque fois... Qu'est-ce qu'on comprend quand on est enfant ? Bah, pas grand-chose, quand on vous le dit. Là aussi, c'est pareil, on a une insulte, on subit le rejet, voilà. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, et bon, bah, de temps en temps, vous posez la question à votre mère, est-ce que tu peux me dire qui est mon père ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une signature sur mon carnet ? Pourquoi est-ce que... pourquoi j'ai pas de papa ? Est-ce que tu peux me dire ? Et là, vous avez un mur en face de vous qui ne répond pas, qui se met même en colère quand vous insistez trop. Au bout d'un moment, vous dites, bon, allez, c'est pas la peine. De toute façon, t'en sauras pas plus. Je vois pas pourquoi je vais m'échiner à demander des explications, quoi. Et alors, puis, de toute façon, dans la famille, c'était pareil. On avait l'impression que je me faisais une petite souris parce que c'était pareil. On disait, ah, bah, ça, c'est la fille à Rennes. Ah, bah, oui, bah, ah, bah, oui, d'accord, oui, c'est... Ça, vous entendiez ça ? Ah, oui, oui. C'est intéressant de voir les informations qui arrivent jusqu'à vous quand vous êtes enfant. Voilà, si on est du point de vue de l'enfant. Voilà, et je sentais très bien que dans la famille, bon, il y avait quand même un petit... de dire, bon, c'est la fille de la fille mère, c'est celle qu'il faut cacher, quoi. J'étais la preuve vivante que ma mère avait fauté une deuxième fois, quoi. En plus. Ça, vous le comprenez quand vous êtes enfant ? Bah, on le comprend, oui, automatiquement, oui. Et puis j'ai eu l'exemple de mon oncle qui, lui, m'a servi de père de substitution, je dirais. Donc, là, vous allez vivre avec votre oncle et votre tante. Voilà, qui eux m'ont servi de parent plus que ma mère, à la rigueur. Et je dirais que c'est eux qui m'ont donné l'envie, peut-être, de fonder une famille, de me dire oui, t'as le droit toi aussi d'avoir des enfants, de pouvoir être heureuse, quoi. Donc là, de 9 ans à 11 ans, vous vivez avec eux ? Oui, de 9 ans à 11 ans, je vis chez mon oncle, où j'étais parfaitement heureuse. Où, là, il y a de pour une fois, où j'avais des câlins, voilà, où j'étais bah, avec mes cousins et cousines qui faisaient
au fils de frères et sœurs. Quoi, je veux dire, j'ai passé des très très bonnes années et quand il a fallu partir de là-bas, ça a été un déchirement pour moi. C'était... Donc là, Florence, dans les deux cas, deux enfants qui vivent le rejet, c'est-à-dire qu'au fond, c'est parce qu'on peut être rejeté parce qu'on est différent physiquement, mais là, on est rejeté pour quelque chose qu'on ne comprend pas. Dans les deux cas. C'est-à-dire que là, effectivement, vous ne le comprenez pas, mais encore une fois, vous le ressentez. C'est-à-dire que vous dites, je comprends. Moi, de mon point de vue d'enfant, il y a plein de choses qui arrivent, c'est les voisins, c'est peut-être les profs, l'école. Et puis finalement, quand je suis chez ma mère, je deviens petite souris. Mais ça, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'on va peut-être que vous étiez plus discrète, pas trop poser de questions. Vous dites, de toute façon, il n'y a pas de réponse. Donc c'est un instinct de survie. L'enfant comprend très vite ce qu'il faut faire dans une famille pour être accepté. Donc il dit, bon, s'il faut être souris dans cette famille, je serai souris. Mais s'il y a une autre famille, chez mon oncle et chez ma tante, où j'ai une place, ben là, je peux rigoler, je peux me déployer. Mais l'enfant, s'adapte tout de suite en fonction de qui il a en face. Et alors, votre mère donc fait des apparitions dans votre vie. Vous, vous ne savez pas pourquoi elle apparaît, qu'elle disparaît. Non. Moi, ça me paraissait normal qu'elle vienne de temps en temps me voir, mais sans plus, quoi. Je vivais très bien sans elle. Vous allez découvrir plus tard qu'en fait, elle faisait des enfants. Voilà. Elle donnait naissance à des enfants qu'elle abandonnait. Voilà. Parce que moi, de 0 à 6, je ne vivais pas avec elle. Donc, comme je ne la voyais pas forcément tout le temps, et puis ce n'est pas le genre de choses qu'on regarde en étant enfant... Puis c'était quelqu'un de très charpenté, qui était quand même... Donc vous n'avez jamais vu aucune grossesse. J'ai jamais vu une grossesse. Et on a su après qu'il y avait des gens qui travaillaient avec elle, qui n'ont même pas su qu'elle était enceinte. Donc vous, vous allez, sans vous connaître, 5 ans plus tard, naître dans le même hôpital, dans la même ville. Exactement. Et vous allez être confiée à une famille. Oui, alors donc elle a confié au moins 3 enfants à une œuvre qui s'appelait l'œuvre adoptive chrétienne. Voilà, et quand elle est enceinte de 3 mois, elle va voir l'œuvre, elle leur dit de toute façon qu'elle veut placer cet enfant. Et comme mes parents n'avaient pas pu avoir d'enfants et qu'ils s'étaient toujours dit que de toute façon ils auraient une famille en adoptant des enfants ou en les mettant au monde, donc on leur a dit il y a un enfant qui va arriver, il sera pour vous. Donc c'est pour ça que maman m'a toujours dit que elle m'avait attendue aussi 9 mois dans son cœur et pas elle pas portée. Savait. Voilà, tout à fait. Et vous allez grandir dans cette famille. Oui. Donc quelle est votre place dans cette famille? Moi, je suis l'aînée. Après, ils ont adopté un garçon, donc mon frère. Mais c'est vrai que mon frère, par exemple, ça avait dû venir comme ça à l'école. Un jour, on lui a dit mais toi, tu sais pas du tout, tu sors. Et ça, lui, ça l'a marqué. Et puis mon père disait toujours, des fois, il vaut mieux ne pas savoir d'où on sort parce que ça règle beaucoup de problèmes. Donc il y avait cette phrase comme ça, du bon sens. Moi, j'ai toujours eu des parents qui disaient, Et quand vous dites, au fond, il n'y avait pas de secret dans la famille, c'est-à-dire que vous avez le souvenir du moment où vous apprenez, c'est-à-dire que vous apprenez que vous êtes un enfant adopté. C'est quelque chose de naturel, ça a dû être toujours dit. Oui, ça n'a jamais été comme... Je pense que si on a posé des questions, on a tout de suite eu les réponses. Donc ça n'a jamais été un secret pour nous. Alors c'est fou, Florence, parce qu'il y a des enfants parfois qui souffrent d'avoir été abandonnés. Ce n'était pas le cas, parce que vous ne l'avez pas vécu comme ça, ça n'a pas été vécu comme ça. Et puis, et qui d'ailleurs ne comprennent pas que la mère ait gardé certains enfants, ce qui était votre cas, et ce qui n'était pas finalement une situation enviable. Là, de ce que vous expliquez, c'est qu'effectivement, votre mère, elle vous a fait un très beau cadeau parce que dès qu'elle a su qu'elle était enceinte, elle vous confie, même enceinte, elle vous confie déjà psychiquement, mentalement, dans les fantasmes, tout ce que vous voudrez, à quelqu'un. Donc effectivement, même en tant que bébé, vous captez déjà dans le ventre qu'il n'y a presque aucun abandon. Puisque déjà avant de naître, vous êtes déjà dans votre matrice, vous êtes déjà pour une famille qui vous attend. Donc c'est normal que l'abandon ne soit pas vécu de la même manière que par exemple d'autres enfants. Et puis à la fois, votre père a dit, tu es ma fille, il n'y a pas de débat. Donc il n'y a pas de question. Et parfois, quand on vient agresser un enfant, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et on ne le sait pas. Et de voir comment cet enfant peut se rassurer avec une petite phrase du père, « Oh, vaut mieux pas savoir d'où on vient parfois. » Donc il vaut mieux, donc on entend le mieux. Oui, et avec des petites choses. Et alors, dans le cas de Josiane, on a raconté donc cette petite enfance où effectivement, il n'y a pas de papa. Vous êtes traité de fille de boche, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Votre grand-mère vous dit qu'il ne faut surtout pas en parler. Donc voilà les éléments. Et puis il va y avoir la découverte d'abord de photos. Alors ça se passe comment? Où? Et vous réagissez comment? Eh bien, quand on a quitté le village où mes parents s'étaient rencontrés, où j'avais vécu ma petite enfance, lors du déménagement, j'ai trouvé des photos d'un monsieur en uniforme militaire. Vous comprenez tout de suite? Oui, bien sûr. Là, vous avez quel âge, là? J'avais 9 ans. Donc, quand j'allais me promener dans le village avec ma grand-mère parlait de mon père avec ses copines.
Donc... Elle disait quoi, vous vous rappelez? Qu'il était gentil, qu'il était beau, qu'il était courtois. Et donc, j'ai déduit que c'était une photo de mon père. Et d'entendre ces phrases-là, ça provoque quoi? Parce que ça entretient un fantasme, du coup. Ah ben, tout à fait. Et moi, vous qui n'avez pas de bienveillance autour de vous, on vous parle de quelqu'un de gentil. Oui, exactement. Et c'est pour ça que j'en avais fait, dans mes rêves les plus fous, j'en avais fait une sorte de demi-dieu, quoi. C'est... Et là, vous voyez les photos? Oui. Et vous le trouvez comment? Bah, beau, bien sûr. Et puis... Vous en parlez à qui? Ah bah personne, hein. Non, mais j'ai gardé ça pour moi, j'ai replacé les photos et j'ai rien dit. Alors, à l'âge de 10 ans, là, vous découvrez quelque chose de très particulier. Bah oui, parce que comme j'étais très gourmande et fouineuse, donc un jour, j'étais à la recherche de sucrerie, et c'est là que je suis tombée sur une lettre qui était cachée au fond d'une boîte à chaussures. Cette lettre est en français? Oui, et il y avait une adresse au dos de l'enveloppe. Et donc, dans la lettre, c'était mon père qui avait chargé une femme française qui était établie en Allemagne d'écrire en son nom que mon père était marié, qu'il avait deux fils, mais qu'il n'avait pas oublié sa fille. Donc il parle de vous? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Moi j'en ai des frissons. Excusez-moi. Ne vous excusez pas, Josiane, parce que ça se comprend. C'est-à-dire que cette petite fille qui vit dans le secret, dans la solitude, qui est rejetée par les autres, sait que cette personne dont on dit que c'est quelqu'un de gentil, parle de vous et dit qu'il ne vous a pas oublié. Et même, il était fait mention d'un mandat à mon attention. Alors naturellement, j'ai relevé l'adresse et puis j'ai attendu 3 ans avant d'écrire à cette dame. Mais pendant 3 ans, vous avez gardé la lettre avec vous? Je me disais, je vais écrire. Mais, qu'est-ce qui vous empêche? C'est... Vous êtes petite déjà, vous avez 10 ans. Et puis comment j'allais envoyer cette lettre pour l'Allemagne? Et puis on habitait dans un petit village où tout le monde se connaissait. Et je me disais, si j'envoie cette lettre, la postière donc, qui connaît très bien ma mère, on risque. De toute façon, je me disais, c'est pas possible, je ne peux pas l'envoyer du village. Et je mettais de côté centime par centime. Je suis arrivée 3 ans après, j'avais réuni une petite... Pour acheter une enveloppe et des timbres. Pour acheter le timbre surtout. Et je suis allée dans un village à côté pour poster ma lettre. Et là, vous écrivez quoi dans cette lettre? J'écris à la dame de ne pas faire réponse à ma lettre, mais de dire à mon père que je l'aimais, que je pensais à lui. Et voilà. Et puis... Vous savez, même la psychologue qui a l'habitude d'en entendre tous les jours est émue, hein, donc ne soyez pas coupable d'être émue. Qu'est-ce que vous ressentez justement, Florence? Parce que vous savez ce que ça représente pour un enfant? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a de la bienveillance quelque part? Alors, sous la grande force de vie que vous avez, même enfant, vous comprenez toute la logique de cette postière qui peut vous dénoncer, toute l'ampleur qui est dans votre corps, même si ce n'est pas tout à fait mentalisé. Et de dire l'espoir, c'est normal d'attendre 3 ans. Parce que si jamais il y avait une déception derrière, peut-être votre corps aurait été encore plus chagriné. Oui, non, mais c'est certain. C'est donc certain. Il y a besoin d'attendre, et ça, c'est normal de dire. C'est certain. Mais vous écrivez « je t'aime ». C'est pas quelque chose que vous avez dû dire souvent dans votre vie, à ce moment-là. Non. C'est vrai. Et donc vous dites « je n'attends pas de réponse ». Oui. Je voulais simplement que... Qu'il sache que vous aussi, que vous saviez qu'il existait. Voilà. Et j'étais à 100 lieues de m'imaginer qu'il allait arriver. Vous l'aviez vraiment pas imaginé? Ah non, pas du tout. Et Franz, on va voir qu'effectivement tout ça se passe à votre insu. Vous n'êtes au courant de rien. Ce que ma mère m'a dit, c'est que la mère de Josiane avait écrit une lettre à mon père pour lui dire qu'elle aimerait avoir un souvenir de lui. Et donc, c'était la première fois qu'était évoqué le fait que mon père avait une fille en France. En septembre, mon père est allé en France avec ma mère. Ça, nous le savions. Mais bien sûr, pas pour quelle raison.
Il a pris contact avec Josiane et je sais de ma mère que Josiane voulait aller avec lui, mais sa mère ne l'a pas autorisé. Et mon père ne parlait pas bien français, donc c'était compliqué pour lui en tant qu'homme de prendre sa fille avec lui. C'est ce que je sais de cette époque. Sinon, nous ne savions rien de plus. Est-ce que vous êtes d'accord, Josiane, pour nous raconter ce moment où vous le voyez apparaître? Et là, vous ne vous attendez pas à ça. Vous voyez d'abord une voiture que vous ne connaissez pas. Oui, parce que dans un petit village, dans les années 50, à part le maire et les agriculteurs, personne ne possédait une voiture. Hein. Et justement, cette voiture, je ne la connaissais pas, c'était une coccinelle blanche et qui s'était arrêtée un peu plus loin pour demander sa route. Ça, c'est quelques mois après la lettre. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'intuition que c'était lui. Et effectivement, c'était lui. Qu'est-ce qui se passe les premières secondes? Eh ben, qu'est-ce qui se passe dans votre tête d'abord? Parce que là, c'est comme une apparition. Je ne saurais même pas, il n'y a pas de mots. Donc, je pense qu'il n'y a pas de mots pour traduire ce qu'on ressent à ce moment-là. Ce n'est pas possible. Vous allez vers lui ou vous êtes intimidée? Ah non, j'ai été vers lui, bien sûr. Enfin, on est allé vers l'autre. Quoi. Mmh. Donc, il vous prend dans ses bras. Mmh. Et votre mère réagit comment? Étant donné qu'elle n'était pas au courant de la lettre, évidemment, ça a été la grosse surprise. Et puis, ça a été aussi beaucoup d'émotions, je pense, parce qu'elle a failli se trouver mal. Mmh. Parce que je pense quand même qu'ils se sont beaucoup aimés, mes parents. Et alors, il ne parle pas de la lettre que vous lui avez envoyée? Ah non. C'est-à-dire qu'il ne vous trahit pas? Non. Qu'est-ce qui va se passer pendant... Parce qu'il va rester 3 jours, il va monter une tente dans le jardin et il est venu accompagné de la maman de France. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, comment vous communiquez à ce moment-là? C'est-à-dire que lui, il avait gardé quand même un petit peu de notion de français. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, évidemment, parce que, à l'époque, je ne parlais pas du tout allemand. Et quel souvenir vous avez de ces 3 jours-là, en fait? Je pense qu'on était conscients l'un et l'autre que c'était 3 jours qu'il fallait vivre intensément parce qu'il n'y aurait pas de suite, quoi. Effectivement, c'est bien ce qui s'est passé. Vous le sentiez-vous déjà? Ah oui, tout à fait. Vous ne pensiez pas que c'était quelque chose qui allait changer votre existence? Non, parce que lui, il était marié. Moi, je portais le nom de mon beau-père. Et on était des étrangers l'un pour l'autre, légalement. Alors donc, et puis, dans les années 50, partir en Allemagne, il fallait un passeport, il fallait une carte de séjour si on restait plus d'un mois. Alors donc, non. Et puis, on a laissé passer le temps. Et puis. Et si c'est si émouvant, c'est parce que c'est la seule fois que vous allez rencontrer votre père, en fait. Puisque vous n'allez plus le revoir, vous allez rencontrer France. Non, parce qu'il est. Plus de 20 ans plus tard. Il est décédé. Il est décédé quelques années avant, justement, que je fasse la démarche d'aller en Allemagne pour rencontrer ma famille. Il y a eu un événement particulier, Franz, dans votre famille à ce moment-là, qui a l'air de coïncider dans la chronologie de l'histoire, c'est que vous avez perdu une petite sœur. Oui. En 1956, j'avais à l'époque une petite sœur qui était née l'année d'avant, et qui est décédée au mois de juillet de cette année-là. Notre petite sœur, elle est décédée. Dans un accident domestique, c'est ça? Oui, c'est ça. Et quelques mois avant que mon père vienne me voir. Mmh. Donc aujourd'hui, avec le recul, on suppose que c'était un déclencheur. Je ne sais pas, mais quelquefois... Il y a tout en même temps, il y a votre lettre qui arrive à ce Oui. Et quand ma lettre est arrivée, la petite venait de décéder. C'est que vous ne le saviez pas à ce moment-là? Ah non, je ne savais pas. Florence, vous avez un mot sur ces retrouvailles? C'est très particulier d'avoir deux êtres humains, un adulte et une enfant, qui savent que ce qu'ils sont en train de vivre, ce sera unique, en fait. C'est très étrange. C'est lié à une époque, peut-être, aussi. Mais vous avez même cette pression au moment où vous écrivez la lettre, parce que vous lui dites, c'est pas la peine de me répondre. C'est juste, je te dis juste que je t'aime, et j'ai bien compris que si tu viens, tu vas revenir dans un écosystème qui est déjà un peu fragile dans le village, dans la famille. Donc j'ai déjà conscience, avant même que vous puissiez le rencontrer.
Alors on va voir effectivement comment Franz a réagi quand vous êtes rentré dans sa vie. On va voir pourquoi vous avez attendu effectivement 23 ans avant de faire la démarche. Et on va voir comment s'est créé ce lien si particulier, sur ce souvenir si particulier. On verra ça dans un instant. Annie, d'abord, qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez cette histoire ? C'est aussi une belle histoire. Enfin, je pense qu'elle a souffert, Josiane, aussi énormément. Et qu'elle a eu la chance de rencontrer son père. Alors, dans votre cas, vous dites ça parce que vous n'avez pas connu votre père. Non. Donc, on a vu que vous aviez grandi, effectivement, élevé par d'abord votre grand-mère, ensuite votre oncle et votre tante, une maman qui était vraiment absente, d'abord de manière affective, et puis physiquement, qui n'était jamais là. Vous n'avez jamais vu. On comprendra plus tard ce qu'elle faisait. Elle avait des absences, mais enfin, entre-temps, donc, elle donnait naissance à des enfants. Vous allez la retrouver beaucoup plus tard. Mais avant d'être dans ce moment-là, vous, quel genre de jeune femme vous êtes ? Vous partez de la maison, enfin de la maison d'ailleurs, je ne sais pas d'où vous partez finalement. Je quitte ma mère, j'avais quoi, 18-19 ans. Voilà. Donc je me suis mariée une première fois. Et bon, j'ai divorcé, j'ai rencontré mon mari, avec qui tout de suite ça a collé, on va dire. Et tout de suite, j'ai eu envie d'avoir un enfant avec lui. Ça a été... assez naturel. Assez naturel, je dirais que... voilà. Et ma mère a été très contente d'avoir un petit-fils... Donc elle avait dit, même à une de mes belles-sœurs, elle a dit, moi, Annie a de la chance, elle a eu un garçon. On verra pourquoi la phrase était voilà, trop... après, elle me remis dans le contexte, on se dit, tiens, c'est... Elle est gonflée. Elle est gonflée, voilà. Et donc, vous, à ce moment-là, vous êtes quel genre de maman ? Parce que au fond, vous ne connaissez pas la maternité. Je n'ai pas connu ça. J'ai pas forcément, je pense que je n'ai pas été suffisamment maternelle. Mon mari a un peu compensé ce côté un peu affectif. C'est quelque chose que vous comprenez, ça, Florence ? Quand on n'a pas connu l'affection ? Du coup, qu'est-ce qui explique que... Parce qu'on pourrait se dire, tiens, au contraire, on va s'y coller, on va s'y mettre. Mais pourquoi c'est si gênant, finalement, de donner de l'affection quand on ne l'a pas connu ? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de mental. Le corps, quand on donne, ça n'a rien à voir avec un discours « je vais décider d'être affective parce que » ou « je vais décider de », ça se fait par le corps, naturellement. Vous avez conscience qu'il y a aussi d'autres formes d'amour. Vous dites, moi je les aime et j'ai conscience que je n'aurais peut-être pas donné. Donc l'intelligence de votre couple, c'est que votre mari, lui, compense. Et du coup, ça crée un équilibre. Comme vous disiez tout à l'heure par rapport à la question du père. Moi, mon père, finalement, c'était mon oncle. Je ne me posais plus de questions, j'avais trouvé mon substitut. Donc ce n'est pas tant le père réel, c'est l'enfant, il veut être aimé. Donc s'il y a quelqu'un, même un voisin qui l'aime, il va plus se poser de questions. Il va se poser de questions s'il est toujours en attente. Mais la vie est bien faite pour ça. C'est-à-dire qu'on a au moins cette chance de pouvoir choisir aussi d'autres chemins. D'autres personnes qui représentent l'image du père. C'est bien là où on voit la différence. Moi j'ai été privée de ça. Et j'explosais, quoi, de donner de cette affection que je n'avais pas eue, justement. Alors, vous êtes devenue maman, Josiane, également ? Oui. Comment ça s'est passé en fait, avant de parler de ces retrouvailles et cette rencontre, vous avez vécu quelle vie ? J'ai eu une adolescence et une jeunesse assez chamboulée, parce que moi je cherchais à la fois un père, un ami, et j'étais partagée entre le besoin d'être protégée et l'envie de materner. Alors, je ne pouvais pas trouver un homme qui réunisse ces deux critères. Quoi. Alors donc, ça ne marchait jamais. Quoi. Donc voilà, et donc je me suis mariée, j'ai eu un premier fils, j'ai divorcé, j'ai eu une nouvelle relation, j'ai eu un second fils, et c'est grâce au père de mon second fils, justement, que j'ai retrouvé ma famille d'Allemagne. C'est-à-dire qu'il vous a incité à chercher. Ah oui, il a beaucoup, beaucoup insisté, parce que moi, j'avais toujours cette appréhension, ce recul de dire « Ah oui, non, mais je ne vais pas arriver comme ça dans une famille, mes frères maintenant sont adultes. » Et puis, il a tellement insisté. Il avait un ami qui était professeur d'allemand. Et comme j'avais gardé le numéro de téléphone que mon père m'avait donné quand il était venu, ce monsieur donc a appelé et il est tombé sur mon second frère, là, sur Vili. Et c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Alors, on va voir effectivement la rencontre. Parce que de votre côté, vous avez 37 ans, vous êtes infirmière, vous avez 3 enfants. Et là, il y a un événement qui va changer un peu le cours de votre existence. Voilà, qui va changer le cours de... je rentrais d'une nuit, ma maman gardait mes enfants à la maison. Et
Donc j'allais aller me coucher, puisque c'était 9h du matin. Et puis je reçois un coup de fil en me disant « Vous êtes bien Annie ?» Je dis « Oui. Vous êtes bien née le 3 février 59 ?» Oui. « À Lyon 2e ? » Oui. « Vous avez une sœur ?» C'est une personne qui se présente ou pas ? Oui, non, non. Qui me dit, voilà, c'est une voix qui me dit « Voilà, vous êtes bien... Oui, oui, vous êtes bien née. Vous avez bien une sœur qui s'appelle Marie-Cécile. Oui, votre maman est par là. Bon, il faut que je vous parle un peu... éloignez-vous un peu de votre maman et tout. » Elle me dit « Voilà, vous avez une sœur. » Je dis « Oui, j'ai une sœur, oui, j'ai Marie-Cécile, oui. » Elle me dit « Mais vous en avez une autre. » Je dis « Comment ça, j'en ai une autre ?» Je dis « Non, non, je veux dire, non, non, bah, si vous êtes bien ça, c'est que vous avez une autre sœur. » Alors vous dites bah, « Prouvez-le-moi. » Je dis « Moi, je suis comme Saint Thomas, tant que je n'ai pas vu, je ne crois c'est pas. » C'est ça, votre réaction. Non, je dis, je sais pas, pour l'instant, ma mère ne m'a jamais dit qu'elle avait eu une autre fille. Je ne vois pas le problème. Quoi. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Elle vous envoie des papiers ? Donc, elle m'envoie les papiers. Et puis, effectivement, donc, quand je les reçois, donc, sur les papiers, je vois le nom de ma mère, donc son adresse où elle habitait, le truc. Je vois le nom de ma sœur, mon nom, le nom de mon grand-père, voilà, qu'elle abandonnait cet enfant. Alors là, vous dites, elle a fauté une troisième fois. Bon, faut regarder. Enfin, je dis, bon, on verra. Et puis... Donc sa maman, puisque c'était la maman de Béatrice qui m'avait appelée, et elle me dit oui, elle n'ose pas trop, truc. Je dis, bah, écoutez, bah, donnez-moi, elle me donne son numéro de téléphone. Donc la maman adoptive de, voilà, de Béatrice, voilà, qui elle m'a contactée en me disant, voilà, c'est elle. Elle voudrait vous rencontrer. Voilà, elle voudrait vous rencontrer, est-ce que c'est possible ? Je dis, bah, écoutez, pourquoi pas ? Ça ne coûte rien de... Puisque effectivement, avec les papiers, je lui dis, effectivement, ça a l'air d'être ma sœur, donc... Mais je n'ai pas été plus étonnée, non, ça ne m'a pas vraiment non plus... j'ai dit à mon mari, je lui ai dit, quand j'ai reçu le coup de téléphone, donc je n'ai rien dormi de la journée, je ne vous dis pas dans quel état, j'étais quand même... Parce que là, vous n'avez pas l'air chamboulée. Voilà, non, non, vous non, racontez non, comme non, un côté. Je me couche, j'ai eu du mal à vraiment... Puis je crois que je n'ai même pas dormi de la journée, en me disant, il faut que tu rattaques ce soir, ça va être un peu dur de rattaquer la nuit, mais... vous faites tout un cinéma en disant mais comment ça se fait, et puis en plus elle me dit elle est née en 1970, donc vous dites ça fait 11 ans d'écart entre moi et elle, vous dites quand même en 70 j'étais avec elle, enfin avec elle j'étais pas forcément encore avec elle, mais je dis tu t'en es pas aperçu, comment ça se fait? Vous étiez chez votre oncle à ce moment-là, non ? Ouais, j'étais chez mon oncle, donc si vous voulez, je me dis mince. Donc Béatrice, vous allez vous rencontrer ? Voilà, on va se rencontrer. Comment ça se passe naturellement au début de la conversation ? Béatrice est très exubérante. D'accord. Donc bon, tout de suite, ça a été... Elle, par contre, a été déçue en me rencontrant, d'après ce que j'ai compris, a priori. Elle me dit une petite brune. Donc bon, elle, par contre, je correspondais pas vraiment à ce qu'elle s'attendait. Elle pensait plutôt à quelqu'un un peu comme elle, une blonde, grande... Mais bon, là, je lui dis non, j'avais amené les photos en lui disant voilà, bah si tu ressembles quand même à Marie-Cécile, tu regardes, c'est ton portrait craché, il y a pas de souci quoi. Donc on a papoté, il y avait ses parents adoptifs qui étaient là, je lui ai raconté un peu ma vie, elle m'a raconté un peu la sienne, enfin voilà. On s'est vu une ou deux fois après, donc chez nous, donc elle a rencontré mes enfants, mon mari. Et puis là, j'ai dit, il ne faut peut-être pas en parler tout de suite à ma mère. Je ne veux pas lui rentrer tout de suite dans l'art. On va attendre un petit peu de voir comment s'installe la relation avec Béatrice. Et bon, malheureusement, au bout d'un an, Béatrice a complètement coupé les ponts. Pouf, plus rien, plus de alors, contact. On va voir tout à l'heure pourquoi elle a coupé les ponts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Voilà. Mais qu'est-ce que vous ressentez quand elle coupe les ponts? Là, je me suis dit, elle est quand même gonflée. Elle rentre dans ta vie, elle vient semer le désordre. Tu lui fais rencontrer tes enfants, et là aussi pareil, c'est pareil, on donne le secret aux enfants en disant vous n'en parlez pas à la grand-mère, donc c'est pareil, on reproduit le schéma, et c'est tombé un moment où j'ai perdu ma belle-mère que j'adorais, donc si vous voulez ça fait deux chocs un peu coup sur coup, donc là j'étais un peu en colère, j'étais un peu... voilà. Bon, on va voir comment vous vous retrouvez 10 ans plus tard, comment Béatrice est la partie visible de l'iceberg. Voilà. Parce que du coup, vous allez découvrir qu'elle n'était pas seule. Voilà. Josiane, donc si on reprend les événements, vous allez attendre 23 ans. Et puis là, c'est votre mari qui vous dit il faut recontacter cette famille. Donc vous faites de quelle manière? Vous téléphonez? Oui, alors donc c'est ce professeur d'allemand, là, l'ami du père de mon fils, qui a téléphoné donc au numéro que j'avais gardé, qui était le numéro de mon père et de ma belle-mère. Et alors là, c'est encore... c'est pas croyable. Donc il appelle, et puis c'est mon frère Vili. Donc le frère de France. Oui. Et donc...
Ma belle-mère était partie en cure. Mon père était décédé. Donc, mon frère était venu dans l'appartement pour arroser les plantes. Et quand le téléphone a sonné, il était prêt à partir. Si bien que, à quelques minutes, il n'y aurait pas eu de réponse. Et là, je n'aurais pas donné suite. Et donc, alors, Julie... il tombait des nues, donc il s'est précipité chez Franz. On a une sœur, bon, et puis... Attendez, là je me retourne vers Franz. Quand votre frère donc, débarque et vous dit « J'ai eu au téléphone un professeur d'allemand qui m'expliquait qu'on avait une sœur », est-ce que vous vous rappelez de ce que vous ressentez? Comment vous réagissez à ce moment-là? J'en ai encore de bons souvenirs. J'étais à la maison à l'heure du déjeuner et... Willy arriva après le fameux appel. Et ma femme ouvrit la porte et lui demanda « Comment vas-tu ?» Et il répondit juste « Il y a du nouveau. » Et je suis arrivé au salon et il a dit « Nous avons une sœur. » Oh, super! À partir de ce moment-là, nous avons été très curieux. Et parce que nous ne parlions pas français, nous avons pris contact par courrier, parce qu'elle nous l'avait demandé. Et le contact eut lieu d'abord par lettre, et donc seulement plus tard, nous nous sommes vus. Et donc, vous le faites par curiosité? Il y a quoi qui vous anime à ce moment-là? Parce que c'est complètement incongru, ça vous tombe dessus. Non, ce n'était pas seulement de la curiosité. À partir du moment où nous avons découvert que nous avions une sœur, des sentiments sont tout de suite rentrés en jeu. Oui, il y avait tout de suite des sentiments en jeu. C'était un fait. Nous avions une sœur. C'était un moment magnifique. Donc là, Josiane, racontez-moi votre réaction quand vous recevez cette lettre qui est une invitation. Je suis tellement bouleversée que... Et c'était le 1er mai 1979. Alors ça, quand on est arrivé dans la rue, il y avait mes deux frères, ma belle-mère et ma belle-sœur qui nous attendaient sur le pas de la porte. Et ça, c'est une vision qui me restera jusqu'à la fin de mes jours. Et ils ont organisé une petite fête en plus. Ah ! Avec les voisins, les amis, tout ça, c'est... J'ai été accueillie à bras ouverts. Donc vous qui étiez rejeté dans l'enfance, là vous sentez accueilli. Voilà, justement. Je vous avoue franchement que de découvrir cette chaleur humaine là, mais ça m'a fait un choc. Franchement, parce que bon, en France, on m'avait tellement rejeté, on m'avait tellement isolé que je me suis dit mais comment ça se fait quoi, c'est Et à partir de là, bon, bah, ça a été que du bonheur, que du bonheur. Et donc, Franz, la décision d'organiser une petite fête, parce que vous, à ce moment-là, vous ne savez pas de quoi cette femme a besoin. Vous ne savez pas ce qu'elle a traversé, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu, et vous ne savez pas que vous allez lui offrir ce dont elle a le plus besoin, c'est-à-dire de la bienveillance et une place. Oui. Mon frère et moi, nous nous sommes tout de suite réjouis. Et on a tout de suite ressenti quelque chose après avoir reçu la première lettre dans laquelle elle nous partageait son adresse. Nous avons répondu. Pour mes amis en Allemagne, c'était bien sûr très intéressant de savoir à quoi ressemblait ma sœur, quel genre de personne elle était. Et c'est pourquoi c'était normal de l'accueillir si chaleureusement. Et là où c'est incroyable aussi, c'est que, au fond, c'est un secret de famille, et vous invitez les voisins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que tout de suite, c'est quelque chose à visage découvert. Oui, je n'avais jamais eu de problème avec mes amis. Et c'est pour ça que nous avons partagé notre joie avec nos amis proches. Mais en ce qui concerne ma famille, j'étais un peu en retrait. Car je connaissais mes cousins et cousines. Je ne leur ai présenté Josiane officiellement qu'à mes 50 ans. Même si certains de mes cousins l'ont très bien pris et trouvaient que ça apportait un vent nouveau dans la famille. La question qui se pose à ce moment-là, c'est vous rencontrez un être humain que vous ne connaissez pas, deux êtres humains que vous ne connaissez pas, et l'information que votre cerveau va enregistrer, c'est que ce sont vos frères. Et alors, c'est la question que je vais vous poser après, c'est que c'est presque un concept abstrait
Et pourtant, j'ai l'impression que vous avez la sensation de vous connaître depuis toujours. Il y avait quelque chose qui nous unissait inconsciemment et on sentait qu'il y avait quelque chose. Et puis par la suite, bon, bah, évidemment, c'est l'affection, l'amour fraternel, ça, c'est monté en puissance. Et maintenant, c'est vraiment comme si on avait été élevés ensemble, quoi. Un sentiment d'appartenance. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et vous, Franz, comment vous expliquez cette sensation, puisque vous accueillez un être humain, et à ce moment-là, vous vous dites que c'est votre sœur, mais là aussi, ça pourrait être abstrait. Comment vous expliquez ce lien particulier ? C'était un sentiment très chaleureux. Et c'était simplement merveilleux. Et mon frère, qui ne parle pas français, a quand même, grâce aux nombreux échanges, un lien de frère et sœur aussi fort que celui que j'ai avec Josiane. Et bien sûr, avec le temps, c'est devenu plus fort encore. Cette relation s'est vraiment intensifiée. Mais nous avons toujours dit que nous étions des frères et sœurs parce que c'est ce que nous ressentions vraiment. Et justement, comme il n'y a pas la langue... Comme il n'y a pas le langage tout de suite, on verra qu'après vous avez fait des efforts l'un et l'autre. Mais du coup, le langage passe par quoi ? Il y a un langage corporel ? Il y a quelque chose dans le regard ? Justement, c'est-à-dire que le père de mon second fils parle anglais. Et donc, il pouvait communiquer avec Franz. Et après, il y avait la traduction. Mais c'était bien, c'était super, même si il y avait la barrière de la langue. Oui, la barrière de la langue, mais vous savez, je crois que le cœur parle avant la langue. Alors Florence, vous allez nous parler de ce que vous savez, vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer de cette connexion et la création d'un lien fraternel sur le tard. Mais auparavant, j'aimerais que vous nous racontiez l'une et l'autre comment vous vous êtes rencontrés. Donc, on a dit que vous avez rencontré Béatrice, qu'elle vous voit pendant un an, elle disparaît de votre vie. Mmh. Et donc, le rebondissement, ça va être 10 ans plus tard. Oui, ça va être en 2008. Mmh. Je crois que c'était en décembre 2008 où je reçois un message. Et donc, c'est un message de Béatrice en me disant « Oui, voilà... je voudrais renouer avec toi », parce qu'elle avait eu des pépins de santé et qu'elle se disait « j'ai raté quand même 10 ans de ma vie, j'aurais eu ma sœur à côté de moi, ça aurait été peut-être différent, voilà, ça lui aurait permis peut-être de passer certaines étapes ». Et voilà, donc moi je lui réponds que c'est bien beau, mais que si elle me refait le coup de « je te reprends, je te machine et que je te rejette », ça il n'en était pas question. Hein. C'est soit on fait des trucs, on le fait bien, soit... Donc elle m'a dit non, mais c'est... Voilà, donc on a commencé un peu à parler par mail, et puis voilà, on pensait se rencontrer, se refaire une rencontre. Et au mois de février, je reçois un message de Béatrice en me disant « Oui, ça y est, il y a quelqu'un qui cherche sa mère, donc qui s'appelait Reine, qui serait à Négatif, qui habiterait donc dans le petit village. » Je dis « Ah bon ?» Je dis « Oui, ça correspond à notre mère, c'est à peu près les trucs. » Je dis « Bah écoute... il a qu'à m'envoyer une photo. » Je dis, je vais regarder si... Parce que je me suis dit maintenant, un plus, un de moins. Donc Philippe m'envoie la photo et je tombe devant. Je dis, oui, effectivement, c'est le portrait craché de mon cousin. Donc j'ai dit, il y a un air de famille. Il y a un air de famille quand même. Je dis, oui, c'est... Donc là, je me dis, je prends le taureau par les cornes, il faut que j'aille voir ma mère. Je dis, c'est pas possible. Une fois, ça va. Deux fois, non, là, c'est... je peux plus supporter. C'est... Donc c'est pareil, dire à mon mari, j'ai encore un petit truc à te dire, j'ai un frère qui nous tombe dessus. Hein ? Je dis, bah oui, écoute, a priori, je lui ai montré la photo, je lui dis, regarde, il me dit, ah oui, effectivement, ça ressemble bien à ton cousin. Donc là, vous déjeunez d'ailleurs ensemble ? Voilà, donc du coup, je vais voir ma mère en lui disant, je dis, il y a quelqu'un qui me contacte par Internet, il dit qu'il est mon frère. Ah, c'est Béatrice qui te l'a dit. Je dis, non, je dis, tu sais, maintenant, par Internet... On se retrouve, hein. Maintenant, je dis, avec les nouvelles technologies, je dis, on ne peut plus rien cacher. Donc là, elle n'a pas de nier que... Donc je dis, c'est vrai, donc c'est mon frère. Oui, oui. Bon, je dis, c'est bien, j'ai un frère, une sœur. Parce qu'elle était au courant pour Béatrice, mais elle ne me l'avait pas dit non plus. Hein. Donc de chaque côté, il y avait un peu le secret. Je dis, écoute, on en a discuté, on s'est parlé au téléphone, il souhaiterait te rencontrer. Elle m'a dit, maintenant que tu es au courant, il n'y a pas de souci.
Bon, je lui dis, bah, écoute, on prévoit de se rencontrer. Donc là, il y a vous, Philippe et Béatrice. Philippe et Béatrice, donc on dit, bah, le 1er mai. C'est aussi tombé un 1er mai. Avec le brin-miguet. Donc le 1er mai 2009, donc ils descendent de Paris. Et donc, ils rencontrent leur mère pour la première fois. Donc ma mère arrive et je te fais la bise. Et que, comme si de rien n'était, comme si aucune apathie, bon, je t'embrasse, claque, c'est bon, on fait des photos, on discute. Donc, on envoie nos maris se balader avec les enfants. On leur dit, bah, allez-vous balader, nous, on reste avec Philippe et Béatrice. Voilà. Donc, moi, je parle, je lui dis, voilà. Je lui dis, est-ce qu'on est du même père ? Non, non, vous êtes chacun. Donc, il y a Marie-Cécile et toi, vous êtes d'un père. Béatrice et Philippe, vous êtes d'un autre père. Voilà. Bon. Je lui dis, bah, c'est bien. Je lui dis, si tu as eu deux histoires d'amour, c'est très bien pour toi. Si tu as aimé les pères avec qui tu les as fait, ça peut arriver. Bon, c'est dommage que tu les aies abandonnés. Je lui dis, mais on ne te juge pas. T'es pas du tout. On n'est pas dans le à te mettre au pilori. Hein. Je lui dis, c'est ta vie, c'est toi qui as choisi. Simplement, nous, on est la conséquence de ça. On est là, on existe. Quoi. Je lui dis, c'est... Et je lui dis, est-ce qu'il y en a d'autres ? Je lui dis, est-ce qu'il faut qu'on s'attende à ce qu'il y en ait d'autres ? Parce que d'un coup, je me suis dit, est-ce qu'on va pas ? Puis elle me regarde bien dans les yeux en me disant, non, non, il n'y en a pas d'autres. Bon, je lui dis, bah, c'est bon, on n'en a que quatre, c'est déjà pas mal. On a... Voilà, donc la journée, l'après-midi se passe, elle repasse, je la redescends chez elle. Voilà, tout se passe bien, pas de soucis. Et puis, deux ans après, donc 2009, donc ça doit être en 2011, je rentre du boulot, encore, décidément. Je rentre du boulot le soir et j'ai un message de ma tante. Et elle me dit, oui, voilà, j'ai quelqu'un qui appelle, qui dit qu'elle était sœur. Je dis, pardon. Je dis, encore. Je dis, non, mais attends. Je dis, elle m'a dit qu'il y en avait quatre, il y en a une autre qui arrive. Je dis, donc au contraire, donc je prends le téléphone, je les appelle et donc je tombe sur Fabienne en disant, voilà, je suis Annie. Ah oui, ben voilà, a priori, on est sœurs. Je dis, ah bon, ben. Donc c'est pareil, je dis, bah écoutez, on va se rencontrer, on va voir à quoi vous ressemblez. Quoi. Pareil, donc on décide, on se rencontre deux jours après, et là pareil, j'arrive, une grande blonde, je dis encore une grande blonde qui ressemble bah, énormément aussi à Marie-Cécile, à Béatrice, on avait un peu les... On se ressemble un peu aussi avec Fabienne, et bon, bah, tout de suite, le courant est passé aussi. Et là, vous allez voir votre mère. Et vous dites, est-ce qu'il y en a d'autres ? Voilà. Donc, là, ça, là, alors là, je retourne voir ma mère en lui disant, attends, là, j'en ai une autre qui arrive. Oui, bon, d'accord. Puis je lui dis, maintenant, Jiman, tu vas me dire, est-ce qu'il y en a encore d'autres ? Je lui dis, est-ce qu'il faut que je m'attende à tous les 6 mois, les 2 ans, les 4 ans que j'ai des frères et sœurs et tout ? Vous n'avez qu'à chercher. Oh, je lui dis, bon, si c'est comme ça, ben, on va chercher. Elle est pas mal la réplique quand même. Voilà, non, mais elle m'a fait le geste comme ça, vous n'avez qu'à chercher. Vous avez qu'à chercher, donc vous cherchez. Voilà, donc on cherche et on découvrait qu'il y en avait encore deux autres dans la nature. Donc on s'est dit, bon, donc je suis allée la voir en disant, bah, on sait qu'il y en a deux autres. Donc on va les trouver. Et alors, ce qui est fou, Marie, c'est qu'à ce moment-là, vous ne savez pas qu'il y a des gens qui vous cherchent. Mes parents n'avaient jamais eu d'informations, n'avaient jamais voulu en avoir. Comme dit mon père, on savait qu'elle avait été un peu débordée. Voilà, mais sans plus. Et donc, en fait, moi, je m'étais battue une histoire en disant, bah, de toute façon, la femme qui m'a mise au monde, je suis née à un moment donné où il n'y avait pas la pilule, où il n'y avait pas l'avortement. On a tous droit à l'erreur. J'ai dû arriver à un moment où il ne fallait pas. C'est l'histoire que vous êtes fabriquée. Voilà, c'est l'histoire que je m'étais fabriquée en me disant, ben voilà, moi j'ai eu cette chance-là de ne pas finir à la DAS ou de ne pas être abandonnée, de ne pas vivre, d'être brinque-ballée. Bon, je ne connaissais pas Annie, je ne connaissais pas son histoire, mais c'est vrai qu'en grandissant, voilà, je m'étais toujours mis ça dans la tête. Et donc je me suis dit, bon ben voilà, c'est bien, c'est le bon choix. Et puis, je mets un petit mot dans le site La Bouteille à la Mer, et puis on verra. Là, un site internet. Un site juste internet. Pour remercier cette femme de ne pas nous avoir abandonné. Exactement. Et donc, je regardais, donc j'ai mis ça, donc là, je sais pas, peut-être en janvier ou en février 2014. Et puis au mois de mai, je vois un petit mot. Oui, nous recherchons notre sœur Dominique, née un 4 février 64 à Lyon. Bien. Alors, je dis, tiens, voilà autre chose. Je m'attendais vous ne vous attendiez pas à ça. Ah non. Moi, alors, je c'était une hypothèse, mais vous n'y aviez pas pensé. Non, mais vraiment, pas du tout. Mais vraiment, des frères et sœurs, mais ça ne m'était jamais venu. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Ah ben, je dis, bon, Dominique, c'est mon troisième prénom. Donc, ça doit être moi. Donc, ça, c'était un samedi matin.
Et puis là, on se rend compte que ben, d'un petit mot posté sur Internet, on va peut-être avoir une vie complètement chamboulée. Bon, ben, j'y allais. Je sois grande fille, j'appelle. Et donc, j'ai Philippe au téléphone. Et puis, je dis, ben oui, effectivement, ça ne peut être que moi, de toute façon. Mais c'est vrai que je suis très surprise. Et il me dit, ben oui. Donc, nous sommes sept. Là, la formation est de taille. Alors là, je dis non, mais vraiment, c'est un schéma, mais pas du tout. Ça, c'est-à-dire que toute votre construction mentale... Ah oui, ça, c'était poubelle. Et là, c'est une autre situation. Ah oui, là, je me retrouvais dans quelque chose... dans un schéma que je n'avais pas du tout prévu. Alors, votre rencontre, parce que là, vous êtes toutes les deux pour raconter les deux points de vue. Donc, ce que j'ai demandé tout à l'heure à Josiane et à Franz, c'est-à-dire que comment expliquer ce qui se passe quand deux êtres humains se rencontrent, ce sont des inconnus l'un pour l'autre. Et il y a un concept, la fraternité. Je crois qu'on s'est reconnus, je crois. Oui. Enfin, ça a été... Oui, alors que moi, je n'étais pas du tout... Les liens du sang, ça n'a jamais été... J'en choisis sa famille. Quelque chose, voilà. C'était vraiment pas quelque chose d'important pour moi. Et puis, j'y croyais pas du tout. Et c'est vrai que quand je suis arrivée chez Fabienne... Parce qu'on s'est rencontrés chez Fabienne. Voilà. Donc, elles étaient toutes les deux au balcon. Alors, je me disais, bon, sur qui je vais tomber? Voyons voir. Et puis, en fait, c'est vrai que Fabienne, c'était... elle ressemble beaucoup à ma fille. Voilà. Et Annie, j'avais l'impression de me voir. Alors après, c'est pas évident d'intégrer cette nouvelle famille. Avec sa famille à soi, parce que finalement, on a vécu, on a un passé, on a une histoire avec notre famille. Et puis, bon, mes parents, eux, ils ont accepté tout de suite. Quand je leur ai dit au début, je ne savais pas trop si je leur disais ou si je ne leur disais pas. Parce qu'ils avaient quand même 88. Oui, voilà, mon père est 88 et ma mère... J'ai retrouvé six frères et sœurs. C'était c'est bien. C'était aussi instinctif avec tes parents. C'est vrai que c'est des parents, des gens absolument adorables. Et puis après, le on a l'impression de faire partie de la famille. C'est vrai parce que finalement, c'est très étrange pour vous. Il y a un nom souvent pour tout. Voici ma belle-sœur, mon beau-frère. Et là, donc, les parents adoptifs de votre sœur que vous ne connaissiez pas, c'est quoi pour vous? C'est des grands-parents. Enfin, je veux dire que c'est des personnes âgées, mais qui nous acceptent sans poser de questions. Quoi. Moi, elle m'appelle Annie. On a fait un Noël ensemble. Enfin, je veux dire, non, elle a vraiment. Enfin, ses parents sont. Ben, comment ils ont ouvert les bras, quoi. Ils ont accepté la fratrie, quoi. C'est. Et de votre côté, Josiane, par rapport à vos enfants, les enfants de France. Très naturellement, il dit c'est mes cousins. Comment ça se passe? Comment vous avez réussi à constituer quelque chose? Ma famille allemande et ma famille française, c'est une seule famille réunie. Ils se sont rencontrés, ils se sont invités. Quand vous dites ma famille française, vous pensez à qui? À mes sœurs. Et mon frère maternel. Concentré, hein? Oui. En Allemagne, j'ai un neveu, une nièce, et deux frères, donc. Et en France, j'ai deux sœurs, un frère, et beaucoup de neveux et nièces. Mais ils se connaissent tous. C'est quand même... Je trouve ça magnifique, moi. moi aussi. Et puis, vous allez me dire l'un et l'autre, encore une fois, ce que vous aimeriez qu'on retienne de cette histoire. Mais Florence, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Parce qu'il y a beaucoup d'informations sur un être humain qui va se construire tout un roman personnel et familial, et tout s'écroule, et puis il va falloir s'adapter à une nouvelle situation. C'est particulier, ça, pour chacun d'entre eux, finalement. Voilà, si on reprend votre histoire, vous étiez adulte. Donc même si c'est vrai que c'est un choc, c'est différent de l'enfant. Parce que vous êtes construite, donc quoi qu'il arrive, vous avez des repères, vous avez été aimée, vous avez trouvé votre identité. Et à partir de socle, effectivement, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous bousculer. Mais vu que votre base, elle est là, c'est beaucoup plus facile que pour un enfant qui n'arrive pas à se construire. On voit que là, il n'y a pas vraiment de manque de réponse, parce que vous n'avez aucune question. Et puis vous avez aussi des parents adoptifs, vous ne posez pas de questions, tout va bien, donc vous foncez, quoi. Dans votre histoire, il y a quand même un questionnement. Vous sentez les choses. Même si vous n'avez pas de mots, il y a quelque chose quand même dans votre corps qui montre qu'il y a quelque chose qui... comme un puzzle, si vous voyez, vous n'auriez pas toutes les pièces. Les pièces, oui. Et à un moment donné, vous dites, voilà, il y a la grande joie de retrouver enfin tous mes frères et sœurs. C'est comme si à l'intérieur, il y avait un puzzle qui se construisait. Et du coup, le lien peut se faire. Il y a moins d'interrogations, moins de questions. C'est ça qui est apaisant, finalement, vous diriez ça, Annie? Oui, moi, mon mari m'a dit, je vois la différence entre ce que j'étais avant et du fait que j'ai retrouvé mes frères et sœurs. Il me trouve changé. Qu'est-ce qui a changé pour lui? Plus apaisé? Peut-être plus apaisé, plus calme peut-être, et puis ravi d'avoir... Donc là aussi un sentiment d'appartenance. Ouais. Au moins de compter pour quelqu'un.
quand ma mère est, quand notre mère est décédée, j'ai simplement dit voilà, bon, si vous voulez la voir, c'est le moment. Ils sont tous venus. Et je me dis, c'est beau d'être là, au moins, quand un coup de fil, ils arrivent tous. Quoi. Autrement, j'aurais dû gérer la mort de ma mère toute seule. Et ça aurait peut-être été plus dur. Mmh. Donc, compter les uns pour les autres. Voilà. Et alors, Florence, quand on dit c'est mon frère, c'est ma sœur, on pense toujours à quelque chose de plus classique, où on a été élevés ensemble. Puis d'un coup, il y a ce concept qui arrive et qui est presque abstrait. Sur le papier, comme ça, parce que je ne l'ai pas vécu, et vous ne l'avez pas vécu non plus. Non. Mais justement, vous qui connaissez la psychologie des êtres humains, ça ne vous étonne pas de voir que finalement c'est naturel, en fait, dans le cas présent, dans les deux cas présents. Il n'y a pas de règle, mais après ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand déjà il y a un manque de père d'un côté et une mère qui est absente, bah, l'être humain est bien fait. C'est-à-dire qu'on va se regrouper sur les frères et sœurs. Donc quelque part, on va se réparer ensemble. Vous savez, c'est l'instinct, le mot que vous aviez employé tout à l'heure, c'est l'instinct. Et c'est vraiment ça, c'est ouf, on se regroupe et ensemble on va se recréer une force, peut-être qui a manqué de part et d'autre, après à différents niveaux. Mais en tout cas, naturellement. Après, ça ne veut pas dire que dans toutes les familles, ça se passe comme voilà, ça. Voilà, non, c'est vrai. Mais quand oui, rien n'a été... C'est très bien passé, tant mieux, je veux dire. Ça aurait pu très, très on a mal eu de la chance. On a eu de la chance. Ah, non, mais vraiment, on a de la chance, je pense. Je pense que ce n'est pas forcément... C'est pas forcément... Toutes les histoires ne finissent pas aussi bien que la mienne, je pense. Bon, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre histoire, Franz, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne? Je voudrais dire qu'au travers de cette expérience, nous pouvons donner de l'espoir et du courage à beaucoup d'autres. Et que s'il est possible de renouer le contact, comme nous l'avons fait, il ne faut pas hésiter. Car cela peut engendrer une fin heureuse et créer une nouvelle histoire, comme la nôtre. Josiane ? Ce que je n'ai pas dit, et je pense que c'est le sentiment de bon nombre de personnes qui sont dans mon cas, c'est qu'on a non seulement on a souffert du rejet, de la honte, de la culpabilité, tout ça, et on a certainement souffert aussi beaucoup de l'amalgame qui est toujours présent dans l'esprit des gens, même encore de nos jours. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, un Allemand est un nazi. Vous voulez dire qu'au même titre que tous les Français n'étaient pas des résistants, tous les Allemands n'étaient pas des nazis, c'est ça? Ben exactement, exactement. Mais il y a toujours, mais cet amalgame existe toujours justement, et c'est ça que je voudrais briser, parce que en fait, il y a bon nombre de d'Allemands hostiles au régime qui l'ont payé de leur vie. Il y a certainement eu d'autres Schindler, et puis aussi bon, nos pères, c'est-à-dire les pères de des 200 000 enfants nés pendant la guerre, n'étaient que de simples soldats qui étaient basés dans des fermes, dans des cantines, dans des ateliers, et qui auraient certainement préféré rester dans leur famille et dans leur pays plutôt que d'être en France à faire la guerre. Et donc voilà. Alors, c'est le travail notamment de votre association. Et effectivement, tout à fait. Vous êtes très engagés. Oui. Et moi, je vais vous présenter des amis à moi qui sont aussi très engagés, qui sont à l'écoute de notre société. Des solutions au fléau de notre société. Et donc, je vais vous les présenter. Vous allez me dire si vous les trouvez formidables comme moi et si vous aimez leurs initiatives, les initiatives qu'ils nous présentent. Et je les entends d'ailleurs. Bonjour Luc, Émilie, Bonjour. Céline, je vous laisse vous installer les camarades. Bonjour. Et je vous les présente tout de suite. Luc, mon camarade, est très très touché par tout ce qui crée du lien. Ah oui. Le monde associatif, ça l'intéresse. Et tout ce qui peut améliorer notre société, c'est ton... Ben voilà, c'est ton créneau. Mon dada. C'est ton dada. Et donc, tu as envie de nous parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une initiative que je trouve formidable, qui permet... Pendant ces jours de RTT, via son entreprise, eh bien, on peut participer à des actions solidaires pour aider les plus démunis. Bon. Céline est notre jardinière et elle nous parle aussi d'initiatives solidaires. Et là, tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, on va pouvoir aider. En restant sur son canapé, il faut un ordinateur, une connexion Internet, 20 secondes. Et tout ça, ça va nous permettre de donner sans débourser un centime. Sans débourser un centime. J'ai cru que tu avais fourché, mais non. Non. Je n'ai pas fourché. Très bien. Alors, Émilie s'intéresse au monde du travail. Elle connaît ses patrons, qui essaient de faire finalement du monde de l'entreprise un monde meilleur. Et là, tu vas nous parler de quoi? Alors, j'imagine que ça vous arrive à tous de donner à des organisations sociales, à des associations, à des ONG. Eh bien, je vais vous parler d'un homme qui a décidé de consacrer sa vie à changer la façon dont nous donnons. Parce que finalement, on pourrait donner mieux, on pourrait donner plus et on pourrait donner plus intelligemment. Eh bien, Alexandre Mars est un entrepreneur français qui a très bien réussi dans la vie. Et puis, il y a 2 ans,
il s'est dit qu'il allait mettre son succès et tout l'argent qu'il avait gagné au service du don. Alors il a créé une fondation, vous allez me dire jusque-là rien de très novateur, mais dans sa fondation, on a la possibilité, nous en tant que donateurs, de suivre l'impact que notre don a dans la vie des gens auxquels on a donné. Donc il restaure la confiance. Alors comment est-ce qu'il s'y prend? Eh bien je vous propose de regarder tout de suite son portrait qui a été réalisé par Mélancien. Et vous réagissez juste après. Moi, depuis tout jeune, mon objectif, c'est d'utiliser mon succès pour essayer d'aider les autres. On sait très bien qu'on est le produit parfois de notre enfance. Et du côté de ma maman, c'était quelqu'un qui s'occupait toujours, c'est-à-dire qui s'occupe toujours, des autres. Et un papa entrepreneur qui m'a donné évidemment aussi un côté, voilà, ça dans le sang, dans les gènes, de créer, de développer. J'ai commencé ma première entreprise à 17 ans et depuis maintenant plus de 20 ans, j'ai monté différentes entreprises, essentiellement dans le secteur de la technologie. Et à chaque fois, beaucoup de travail, beaucoup de chance, réussi à construire, vendre et donc gagner un peu d'argent, même beaucoup d'argent avec ces entreprises. C'est ça qui m'a permis, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, de créer, de monter la Fondation Epic, qui est une entreprise qui essaie de changer la manière dont les gens donnent. Je commence à interroger les gens en disant « Est-ce que vous avez donné l'année dernière ?» Les gens me disent « Bien sûr, j'ai donné. » Je leur posais une seconde question « Est-ce que vous pensez avoir donné suffisamment ?» Et là, les gens, 95% me répondaient non. J'aurais aimé faire plus. Et quand je dis « Vous m'aurez bien plus », c'est pas forcément donner 1 million d'euros. Ça pouvait donner 10 euros de plus, 100 euros de plus. Mais qu'est-ce qui vous a retenu à donner plus? Les gens nous répondaient toujours « on n'a pas confiance ». C'est-à-dire qu'il y a eu des scandales et donc on ne sait pas ce que font les organisations avec l'argent qu'on va leur donner. Donc on a développé une application mobile qui permet de voir combien de jeunes, d'enfants ont reçu leur vaccin. Même si vous avez donné 5 euros, qu'est-ce que va faire ces 5 euros? Il n'y a pas d'opacité. Nous avons défini que pour 60 euros, nous arrivons à changer donc la vie d'un enfant dans le monde. Notre travail quotidien, c'est changer la trajectoire d'enfants et de jeunes qui ont eu moins de chance que d'autres. Et c'est ce que nous faisons à travers le monde. Chez Epic, nous avons 45 critères de sélection. Au 1er janvier de chaque année, nous recevons des organisations sociales, des applications. Cette année, nous en avons reçu 1900. Je vais, avec nos équipes, sur le terrain, visiter les finalistes. Que ce soit au Laos, à Sao Paulo, à Harlem, tu vas voir des gens qui sont extraordinaire et tu vois des mamans, des enfants, des papas et tu partages. Parfois ils parlent mal anglais ou tu parles pas du tout leur langue, mais t'as une période d'échange qui est fabuleuse. Oui, évidemment ça me change et ça change aussi la relation que j'ai avec tous les gens qui me côtoient. Un jeune, un gamin de 5 ans, de 2 ans ou un jeune de 18 ans et vous essayez de changer sa trajectoire, c'est définitivement un pari sur l'avenir. Nous avons impacté la vie de centaines de milliers d'enfants et puis on voit qu'on commence à changer les mentalités. On sait que nous sommes juste au début du chemin. On sait que ça va peut nous prendre des années et des années. Soyons très clairs, le succès n'est pas toujours en regard du nombre de zéros dans votre compte en banque. Vous n'avez pas besoin d'être Bill Gates, mais en revanche, à quelque niveau que ce soit, quel que soit votre succès, faites-en quelque chose. Prenez ça pour avoir un impact positif sur la société. Moi, je trouve que c'est vraiment bien parce que justement, ça change justement des grandes organisations où on a une impression de lourdeur tout autour. Là, on a l'impression que c'est un projet qui est mené par quelqu'un, bah justement, qui est une entreprise. Donc, il y a aussi un objectif de gestion. L'entreprise n'a pas le sens du gaspillage. Voilà. Ou en tout cas, c'est lutter contre le gaspillage. Voilà. Non, mais c'est vrai que quand on gère une entreprise, on fait attention de ne pas gaspiller. Et je pense que justement, c'est des initiatives qui sont peut-être plus ciblées, où l'argent va aller peut-être plus directement là où on en a besoin.
et sans décrier aucune autre organisation. Hein. Mmh. Mais je trouve que c'est super intéressant. Et le fait justement de mettre une appli en lien avec les dons, ça peut-être faciliter ou inciter des gens qui ne donnent pas à aller mettre de l'argent pour aider directement. Quand on voit vraiment à qui on donne, on a plus envie, on se sent plus motivé. Ce n'est pas simplement envoyer un chèque et puis ou faire un bien. Voilà, c'est, donc la transparence. Voilà, plus de transparence. Et le suivi. Voilà. Tout en. Voilà, c'est sûr que quand on le fait de façon régulière, peut-être que ça s'adresse justement à d'autres personnes, parce que ça va toucher un autre public. Et justement, cette application pour l'instant, elle est pour le grand public ou pas encore ? Pour le moment, en fait, cette application qui s'appelle Epic Center, elle est accessible aux grands donateurs, entre guillemets, donc les personnes qui donnent plus de 10 000 euros. Alexandre Mars, aujourd'hui, fait le tour du monde pour aller rencontrer les grands banquiers, les grandes entreprises. Voilà, il veut réinventer vraiment la philanthropie, donc ceux qui ont vraiment les moyens. Et puis, c'est bien qu'il y ait des gens qui ont beaucoup d'argent, parce que ça a été prouvé scientifiquement que c'est ceux qui en ont le moins qui donnent le plus. Exactement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la technologie qui réinvente la philanthropie, puisqu'elle permet de retisser du lien. Donc, vous pouvez voir des vidéos, vous pouvez accéder à des photos, vous pouvez accéder à des données, parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on collecte des données. Et donc, toutes ces données, en fait, peuvent être mises au service. On a un suivi de son don. Quoi. Exactement. Vous pouvez suivre votre don directement sur le terrain. Et puis, on retient ce chiffre. Hein. J'ai entendu, 60 euros peut sauver la vie d'un enfant. C'est ça. Exactement. Alors, c'est un chiffre à prendre avec beaucoup de précautions parce que 60 euros, pourquoi ? Pour changer la trajectoire d'un enfant, pour changer toute sa vie. Voilà, il faut pour faire pour le vacciner, pour l'aider à avoir des soins dentaires, pour l'aider à être dans l'insertion sociale. Il faut faire très attention à ces chiffres parce que souvent, ce sont aussi un peu des outils de communication pour nous aider à avoir envie de donner. Là, la certitude que j'ai en présentant cette initiative, c'est que effectivement, on peut suivre. Notre don et on peut mesurer notre impact. Si vous investissez demain dans un projet porté par une association qui s'engage à installer un puits en Éthiopie, eh bien, grâce aux données qui vont être fournies par la fondation, vous allez savoir combien vous avez puisé de litres d'eau et combien de litres d'eau ont été distribués à un certain nombre d'enfants. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc c'est une fondation qui regroupe plusieurs organisations. Exactement. Donc, 100% du don que vous faites est entièrement reversé à l'association. Cette fondation ne prend aucune... Mais le frais de fonctionnement de l'association. Et le frais de fonctionnement de l'association est uniquement... Enfin, les investissements et les frais de fonctionnement de l'association sont assurés par Alexandre Mars et sa fortune personnelle. Ouais, et chaque année, il réinvestit 2 millions d'euros de sa fortune personnelle pour gérer... Il a fait fortune dans quoi, on ne l'a pas dit ? Il a fait fortune dans Internet, dans la technologie et dans le mobile. D'accord. Mais quand est-ce que ça arrive, cette application, pour le grand public ? Alors, cette application, elle arrive dans quelques mois pour le grand public. Ça va s'appeler Epic Generation. Et à ce moment-là, vous pourrez donner 5 euros et suivre les conséquences et l'impact sur le terrain de vos 5 euros. Et ça arrive dans quelques mois, en 2017. Ok, on va suivre ça très près. Luc, tu nous as parlé des RTT solidaires. Et oui, l'idée c'est quoi ? C'est que quand on en parle à tout le monde autour de nous, à nos proches, à nos amis, tout le monde dit « Ah ben moi j'aimerais bien faire de l'associatif, j'aimerais bien être bénévole au Resto du Cœur, d'accord ?» Mais la plupart du temps, 9 fois sur 10, ils nous disent « Comment je fais ? Je sais pas, je suis découragé. » Et alors, on ne sait pas par quoi commencer, on sait pas où présenter, et on ne sait pas si finalement le temps qu'on a à consacrer suffit à ces associations. Oui, donc ça nous fait un peu peur de mettre le pied là-dedans. Donc voilà. Et maintenant, il existe des entreprises qui ont réussi à fédérer leurs salariés, justement, autour d'un projet solidaire, et pendant leurs jours de récupération de temps de travail, tous ensemble, ils vont aider une association. Super. Par exemple, là, concrètement, je vous montre comment ça marche, là on est à Marseille, d'accord, ça c'est un grand groupe qui fait de l'assurance. Eh bien, les salariés qui ont voulu ce jour-là sont venus pour récupérer des denrées alimentaires pour une épicerie solidaire. Alors là, j'ai mis du flou là parce qu'il y avait des marques et des visages, je ne pouvais pas les montrer. Je suis allé un peu. T'es bon en foot. Mais un bon flouteur. Voilà, je suis allé un peu à la louche. Voilà. Vous foutez ce qu'il y a dans les caddies. Enfin voilà, on voit rien. On voit rien, mais bon, ils ont récupéré à manger. Ils ont des belles casquettes. Pour des plus démunis. Là, par exemple, ici, c'est un grand groupe de recrutement international, un cabinet de recrutement, 40 salariés
sont allés chez les pèlerins d'Emmaüs pour trier des vêtements pour les plus démunis, pareil, là, chez Emmaüs. Quoi. Ils étaient 40. Ah, oui. C'est ce qu'ils voulaient, c'est le volontariat. Ouais. Ça crée du lien dans l'entreprise. Alors justement, j'y venais. Mais non, mais t'as raison. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, les salariés disent, la plupart des salariés qui ont fait ces projets, qui ont participé à ces projets-là, disent, seul, j'y serais pas allé. C'est bien, tous ensemble, on a un projet en commun. Donc ça donne envie de le faire. Ça donne aussi envie de redécouvrir ses collègues, parce qu'on est dans un grand groupe, ou même une petite boîte où on est 10, mais on ne connaît pas son collègue quand il est en train de trier des vêtements. Voilà. Et donc, ça apprend à mieux connaître. À voir sous un nouveau jour, un nouveau visage. Oui. Et puis surtout, peut-être sa collègue de bureau qu'on pose, c'est pas très sympa. Et tout d'un coup, on se dit, ah, elle est capable d'aller donner de son temps. Ouais. Et on peut, et on peut la draguer. En triant les chaussures. Alors ça, c'est une option. Ça. C'est une option. Et surtout là, tu viens de mettre à mal des mois. Et c'est une motivation comme une autre. Mais ça peut l'être, exactement. Peut l'être. Mais je comprends pourquoi tu veux qu'on aille faire du bénévolat. C'est ça. Ah là 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 là. Je suis marié. Non, justement, on peut boire un café ou trier les chaussures pour Emmaüs. Et pour les entreprises, de notre côté, en fait, c'est très intéressant parce que ça fait un peu ce qu'on appelle dans ce jargon des directeurs des ressources humaines du team building. Ça veut dire on fait construction d'équipe, voilà, cohésion d'équipe, on resserre les liens. Qu'est-ce qu'on fait? On a une secrétaire de direction qui va avec un directeur de marketing et une balayeuse, et tout le monde ensemble sur un même projet, donc c'est quand même intéressant. Tout le monde au même niveau. Et tout le monde au même niveau. Tu remarques, Raquel, qu'il a mis des une. Oui, t'as raison. J'ai pris des exemples assez sexistes. Exactement. Il a que des collègues. Moi, j'aime bien ce genre d'initiative. Hein. C'est contagieux, cette histoire. Il y en a combien qui participent maintenant? Alors, aujourd'hui, il y a 80 entreprises en France qui ont fait cette démarche-là. Ça existe depuis 5 ans, de la plus petite à la plus grosse. Pas mal s'y sont mis. Ça bénéficie à une cinquantaine d'associations. Hein. Ça peut être le SAMU social, ça peut être des banques alimentaires, ça peut être le réseau Cocagne dont on a parlé ici. Ça peut être une petite entreprise ou une grande. Voilà. Mais il faut se renseigner où? Il faut se renseigner comme ça, sur le site déjà de Mille et Une Vies. Et en fait, les gens qui ont créé ça, il faut aller les voir. Ils ont créé leur entreprise, ça s'appelle Ça me regarde. C'est Arnaud et Ségolène, en fait, qui travaillaient dans un grand groupe. Elle est responsable de communication, lui, il était directeur de projet. Et ils ont voulu mettre de l'humain, justement, dans l'entreprise. Et ça va te parler. Oui. Et justement, ils ont fondé cette boîte qui est justement l'intermédiaire entre l'association qui a besoin de bénévoles et l'entreprise. Eux, en fait, c'est un cabinet de conseil. D'accord. Le trait d'union. Le trait d'union entre les deux, le lien, le chaînon manquant, si on peut dire. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que ça ne coûte rien, évidemment, à l'entreprise qui propose de l'aide. Ça coûte de l'argent, l'entreprise qui propose de l'aide. Ça coûte 2 500 € la journée. Ouais. C'est-à-dire que ces gens-là facturent. Là, ils font une formation aux salariés sur comment on va trier, comment on va jardiner, comment on va être utile à cette association. Ah, c'est pas du bénévolat, alors? Alors, si, les salariés le font bénévolement, oui. Mais le chef d'entreprise, lui, il doit facturer à cette entreprise. Il doit payer, pardon, à l'entreprise qui fait l'intermédiaire. Mais l'entreprise, elle a tout intérêt à le faire, ça. Elle veut bien payer ses 2 500 €. Pour les avantages dont on a parlé tout à l'heure. Mixité dans l'entreprise, remotivation. Et puis, les salariés, ils se disent, du coup, on travaille pour une entreprise qui a des valeurs. Pour une entreprise Il y a aussi la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. On en entend beaucoup parler aujourd'hui. L'entreprise, aujourd'hui, doit aussi s'investir dans la société civile. Et au travers de ce genre d'initiative, effectivement, elle nourrissent leur responsabilité sociale et sociétale d'entreprise, qui est un dû, hein, c'est ce qu'elles doivent aujourd'hui à la société. Alors, pour conclure? Pour conclure, tout simplement, depuis 5 ans, il y a eu 4200 jours de RTT. Donc, 4200 personnes qui sont venues travailler dans plus de 100... Contraire les vaches. Alors, ça pourrait être... Ils sont venues travailler. C'est du boulot, oui. Pour justement, sur plus de 180 projets, justement, solidaires, qui aident les autres et qui donnent du sens à leur vie. Je trouve ça assez chouette. Merci. Par contre, Vous acquiescez? Oui, je pense. Il y a des personnes que l'on oublie, ce sont les personnes âgées. La solitude des personnes âgées. Ah ben, parce que ça, on en parle très rarement. Et je pense que il y aurait une aide à apporter. Mais justement, ils font des projets aussi envers les personnes âgées. Donc, non. Eux, c'est des travailleurs. Très souvent. Dans Mille et Une Vies, on en parle très souvent, effectivement. Ouais. De toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là. Absolument. Parce que la solitude des personnes âgées, ça doit être horrible.
Enfin, moi, je suis pas seule, hein, alors, donc, j'ai mon frère et mes enfants. Céline. Alors justement, on parle de dons depuis tout à l'heure, et puis de dons aussi quand on a peu de moyens, quand on a moins de pouvoir d'achat et qu'on a malgré tout envie d'aider les autres, qu'on est parfois peut-être un peu flemmasse et qu'on n'a pas envie de bouger de chez soi ou qu'on a peur d'aller d'être bénévole. Donc là, c'est très intriguant. Je vais poser la question comme un jeu à mes camarades. C'est-à-dire qu'on ne donne pas d'argent et on ne bouge pas de son canapé, mais on peut donner. Alors là, est-ce que vous avez une idée de ce que... En 20 secondes. En 20 secondes. L'idée. Alors, c'est un site internet qui s'appelle Goodeed et qui va vous permettre de regarder un petit film pendant 20 secondes, un film publicitaire. Et ce n'est pas vous qui allez payer, c'est le groupe, l'annonceur publicitaire qui va donner l'argent à votre place à une ONG. C'est-à-dire qu'au lieu de critiquer la publicité, qu'est-ce qu'on fait ? On l'utilise. Alors, je comprends l'idée du publicitaire. Il va être sûr qu'on regarde son film. Oui. Maintenant, est-ce que c'est un prétexte ? On sait combien il donne ? On sait tout ça ? On sait tout ça. Donc, on va sur le site Goodeed. Fred, il est méfiant. Et par exemple, oui. Bah oui, parce que bon... Même toi, tu peux le faire. C'est extrêmement simple. Donc, on va sur le site. Là, on choisit. Par exemple, on peut donner pour la santé. Donc, donner pour des vaccins, donner pour des repas, donner, par exemple, pour des meilleures conditions de vie ou donner pour la scolarisation. Donc, on choisit de donner. On clique très simplement. Et là, on vous propose, là c'est une grande marque de boissons gazeuses, pas du tout française, qui n'est pas extrêmement sociale, qui vous passe un petit film de 20 secondes que vous regardez. Donc vous choisissez de le regarder. C'était plus qu'on nous inflige souvent quand on regarde une vidéo sur Internet. Là on la regarde volontairement. Là on la regarde volontairement, on fait le choix de regarder ce film parce qu'on sait qu'après on va aider. Là j'ai choisi de donner, de faire des repas. Donc je regarde ce petit film et à la fin du petit film de 20 secondes, on propose de valider mon don. Ça y est, c'est bon. Grâce à ça, j'ai aidé une association reconnue française pour les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, en l'occurrence. Et on sait combien on donne ? Payer des repas. Alors, c'est en moyenne, il y a eu 3 millions de vues de petits films. Et ces 3 millions ont généré 200 000 euros. Donc, 200 000 euros qui sont utilisés dans plein de domaines, bien sûr. Hein, ce n'est pas que les Restos du Cœur. Mais c'est, par exemple... Là, c'était des chiffres qui sont intéressants, c'est pour ça que je vais quand même vous les donner. Ce qui est très intéressant, c'est que 80% des utilisateurs n'avaient jamais donné avant. Et c'est principalement des gens qui ont entre 25 et 35 ans. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est une nouvelle population qui accède à la solidarité. Et donc ces 3 millions de vues, ces 200 000 euros connectés ont permis d'aider des projets partout dans le monde. Donc vous restez dans votre canapé, mais vraiment, vous pouvez aller tout à fait donner, par exemple, aux Philippines des kits solaires pour permettre à des familles d'avoir de l'électricité chez elles. Mais vous pouvez aussi permettre à des personnes âgées complètement isolées d'avoir des activités culturelles. Donc ça, c'est des projets qui ont été validés et payés. Du soutien scolaire avec les apprentis d'Auteuil partout en France. Donc 500 heures de soutien scolaire, mais également des lampes solaires au Mali pour permettre aux enfants de faire leurs devoirs. Ou des arbres, alors moi qui aime beaucoup, enfin, vous connaissez ma passion pour les arbres, hein, 150 000 arbres plantés en Inde pour lutter contre la, déforestation. Ou des pastilles de chlore, on a parlé de l'ouragan Matthew, pastilles de chlore pour permettre l'accès à l'eau potable en Haïti. Enfin, je pourrais vous en faire des dizaines et des dizaines, il y en a beaucoup, et vous choisissez à chaque fois le projet que vous aidez. Moi, ce que j'adore dans ce projet-là, outre le fait de ne pas bouger en hiver de son canapé et d'avoir la sensation de faire quelque chose, c'est que c'est en plus un jeune gamin de 17 ans qui a eu cette idée incroyable. Il s'appelle Vincent. Donc Vincent, il était sous la douche, et ce n'est pas une blague. Il venait de lire un livre que lui avait offert Mamou, sa grand-mère, qui était pour une économie plus solidaire de Mohamed Younous. Il a lu ce livre et il s'est dit, mais quel est le plus gros budget et le plus accessible? Finalement, c'est la publicité. Parce qu'on est tous obligés de regarder de la publicité, on nous en impose toute la journée. Oui, on nous l'impose. Oui. Voilà. Et comment il a séduit? Donc il a monté à 17 ans sa petite entreprise avec deux amis. Et puis, quel intérêt pour les annonceurs finalement? Bah, c'est que, comme tu le disais, c'est intéressant pour eux d'être social, d'être solidaire et de montrer qu'ils ont malgré tout des valeurs. Mmh. Ils savent que nous, public, on a fait le choix de regarder cette publicité. Donc, on est plus attentif. Ouais. Que, on n'a pas envie de zapper. Donc, on va dire que tout le monde y gagne. Les associations, c'est exactement eux. Ah ouais. Et les publicitaires se disent qu'au moins, on est attentif. Tout à fait. Regarder de la pub pour donner. Moi, c'est bizarre. J'aime moins l'idée de jouer avec l'argent des autres. Mmh. Voilà. Je trouve que... Voilà. Ah ouais, mais quand même, il y a quand même un truc qui est quand même super intelligent. Moi, je trouve que c'est renverser l'idée. Ouais, voilà, c'est ça. C'est renverser ça, c'est humaniser quelque chose qui ne m'aide pas. C'est... Oui, mais quand même, c'est un peu facile, voilà, de donner comme ça. Je trouve que dans l'idée du don,
c'est pas du don, c'est faire donner. Ah, j'ai dit que c'était quelque chose pour voilà. Un peu pour les cinémas. C'est un peu comme si on allait chez le psy gratuit, quoi. Voilà. Alors après, on peut imaginer. Après, on peut imaginer que c'est un début. Oui. On peut imaginer que c'est un premier début. Tiens, j'ai été utile sans rien faire. Et après, peut-être que vous, 80% sont ceux qui n'avaient jamais exactement, donné. Exactement. C'est une porte d'entrée. C'est une vraie porte d'entrée. Et surtout, ça permet d'amener aux dons et à la solidarité des entreprises qui n'y allaient pas. Là, on voyait le grand groupe en question, c'est pas une entreprise extrêmement solidaire. Donc, si ça peut être une prise de conscience collective, il faut une porte d'entrée. Ça devrait être rendu universel. Tous les pubs, toutes les, si on savait que toutes les pubs nous imposent, permettez de donner à une association automatiquement, vous regarderiez tout le temps des pubs. Ah bah oui, c'est un problème. Bon, en tout cas, une initiative, une idée, et effectivement, on parle des problèmes, et il y a des gens qui ont décidé sous la douche, 17 ans. Ouais, donc 17 c'est très inspirant. C'est génial. Merci les camarades. Moi, je voudrais vous montrer quelque chose de très particulier. Vous nous avez dit que finalement, vous avez découvert que vous aviez des frères et des sœurs juste en disant merci. Finalement, vous avez été sur un site internet, La Bouteille et la Mère, pour dire merci à cette mère biologique, finalement, de vous avoir confié à une famille aimante. Et ce merci-là, même si vous n'aviez pas de réponse, vous saviez que ça vous faisait du bien, juste de dire merci. Oui, tout à fait. Et ça a été prouvé, figurez-vous, que la gratitude rend heureux. Et donc, on est allé dans la rue, proposer à des gens de regarder à la caméra et de dire merci à qui ils voulaient. Alors, écoutez bien ces petits merci, parce que derrière chaque merci, il y a une petite histoire. J'aimerais dire merci à ma grand-mère. Et moi, j'aimerais dire merci à mon petit-fils pour cet après-midi passé avec lui. J'aimerais dire merci à ce soleil qui m'éblouit, mais qui fait du bien. Je voudrais dire merci à ma sœur, parce que c'est grâce à elle qu'on est à Paris aujourd'hui. Parce qu'elle est au cours Florent, donc on voulait la voir pour lui souhaiter bonne chance pour la suite. J'aimerais dire merci tout d'abord à toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis devenu, chaque jour, je deviens une personne plus forte. On mène une vie de banlieue, excusez-moi du terme, mais c'est dur. On se réveille le matin, on nous stigmatise. Mais c'est pas grave, on dit merci. Merci à la vie, merci à tout ce qui nous entoure. Merci à mon famille, merci à mon ami, et merci à ceux qui ont été aidés sur le chemin, et qui ont été aidés à mes problèmes. Merci, merci le monde, merci. Merci beaucoup. Checking out of Hotel Happiness. Oh. Je te remercierais bien pour ce joli pull de Noël. Oui. Bah, moi, je remercie Franck de préparer le dîner ce soir. Oh là là, un gratin de chou-fleur. C'est vrai. J'espère qu'il sera pas trop cuit, d'ailleurs, il faudrait qu'on y aille. Oh mon Dieu. I like that. Ok. Je remercie ma gentille femme avec le petit bébé qui va venir bientôt et je remercie beaucoup beaucoup avec plein de bonheur qui va arriver. Ça fait longtemps qu'on attend un bébé et là ça fait 4 mois que je suis enceinte donc c'est vraiment la joie, tout a changé dans notre vie, tout est beau. Ah, moi, j'ai adoré la grand-mère avec... Oui. Bon, ça vous a dû bien jouer d'entendre tous ces merci. Ça vous donnait la banane. Ah oui, c'est mignon. Ils disent merci. Le petit banlieusard qui, lui... Merci à ceux qui ne croient pas en moi. Ça me donne la pêche. Ça me donne la pêche, voilà. Le petit qui dit, ouais, moi, je suis de la banlieue. Ils me stigmatisent. Mais non, je leur dis merci. Je suis heureuse. Oui, il est très positif, hein, quand même. C'est très, très positif. C'est... Oui, oui. Bon, moi je vous dis merci en tout cas d'avoir raconté votre histoire. Merci beaucoup d'avoir partagé, d'avoir décidé de transmettre effectivement, parce qu'elle est très inspirante votre histoire. Bon. Et elle se finit bien en tout cas. Hein. Ah oui, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de coups de théâtre. On est parfaitement heureux, merci beaucoup d'être venu la raconter. Merci à vous. C'est... Merci Florence pour votre regard, votre éclairage. Et puis j'oublierai pas, une psy qui a les larmes aux yeux, j'adore. Et puis merci beaucoup Josiane et merci d'être venue de si loin. Pour raconter cette histoire fantastique, parce que vous êtes, c'est votre histoire, c'est la petite histoire dans la grande histoire, et donc ça nous dit beaucoup de cette humanité et de finalement de ces nations qui font des choses bizarres, mais en tout cas ça donne des conséquences incroyables. Merci beaucoup, merci les camarades, merci aussi, merci d'être fidèles, et on se retrouve très très vite sur France 2, à très vite.
Si vous aimez les belles rencontres, demain vous serez ému par les témoignages de ces deux familles au grand cœur. En accueillant des enfants en attente d'une opération, Maud et Anne-Sylvie ont fait un choix important, celui d'offrir à ces jeunes venus des quatre coins du monde une chance de guérir. Un partage de culture et d'émotions pour que se poursuive la vie. Parents de substitution pour quelques semaines, ils viendront nous expliquer en quoi cette expérience a changé leur quotidien. Je fais de l'accompagnement d'enfants malades pour différentes ONG. Ils ont une grave pathologie. On est vraiment les parents de substitution des enfants à partir du moment où ils posent le pied sur le territoire français jusqu'au moment où ils en repartent. L'enfant, il prend sa place très vite. On se souvient avec David du premier départ au bloc du premier enfant. C'est émotionnellement, c'est dur. On a plus.